Salutations. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous sommes heureux de communiquer avec vous tous. Nous avons exploré toutes les nombreuses possibilités que vous avez devant vous en ce moment, en tant que collectif. Et nous nous sommes sentis très encouragés par ce que nous voyons. Nous savons que de plus en plus de personnes prennent conscience du fait que ce sont elles qui déterminent sur quelle chronologie elles se trouvent. Nous espérons que vous tous qui recevez ce message en ce moment allez vous souvenir de cette vérité à tout moment, car vous continuerez à voir des gens vous dire ce qui va se passer, comme s'il n'y avait qu'un seul avenir, et que cet avenir est gravé dans la pierre. Nous continuerons à vous le rappeler, car nous rencontrons sans cesse des personnes qui parlent de prédictions, et cela circule constamment sur vos réseaux. Nous vous invitons à nous rejoindre ici, où nous voyons tous les futurs très positifs avec lesquels vous vous êtes alignés en tant qu'âme éveillée. Vous voulez tous voir tout le monde s'épanouir et vous voulez voir tout le monde recevoir ce dont il a besoin. Et vous n'avez pas besoin de savoir exactement comment l'une de ces choses se produira pour vous aligner sur ces réalités. C'est la beauté de l'endroit où vous êtes en ce moment. Vous entrez simplement dans votre pouvoir en tant qu'être créateur conscient. Et même si vous avez mené sur un chemin particulier votre passé en voulant créer un emploi, une relation ou acheter un objet en particulier, vous pouvez maintenant penser au concept d'un autre avenir, en laissant tomber le premier domino de votre nouvelle réalité future, celle que vous voulez expérimenter, parce que vous avez vécu assez de vie. Vous comprenez alors que vous avez suffisamment de vie vécue à ce stade, et vous préférez certains aspects et sentiments à d'autres. Vous avez ressenti suffisamment de sentiments pour le savoir maintenant. Il est temps pour vous de reconnaître qu'il y a tellement plus que vous pourriez créer et que vous créez avec de l'énergie plus qu'avec des pensées spécifiques. Vos pensées sont utiles. Elles vous aident à vous concentrer. Elles peuvent vous aider à vous aligner. Mais lorsque vous travaillez avec l'inconnu du futur, vous n'avez pas à tout comprendre avec votre esprit très limité. Au lieu de cela, vous pouvez vous concentrer sur vos centres de sensation et croire que l'univers a une myriade de façons de vous apporter des réalités qui ressemblent exactement à la vibration que vous activez à l'intérieur de vous. Et vous avez la possibilité d'activer toutes les vibrations que vous souhaitez. Car en réalité, elles coexistent toutes à l'intérieur de vous, à tout moment. Lesquelles activerez-vous? Cela dépend de vous. Sachez simplement que le libre arbitre ne se limite pas à vos actions et à vos paroles. Il consiste à choisir comment vous voulez vous sentir, puis à y mettre votre attention, en mettant votre attention sur le sentiment
et non sur les circonstances qui évoqueront ce sentiment. C'est ce que vous êtes censé faire, et c'est ce que vous devez faire, et c'est ce qui vous mettra sur la ligne de temps qui contient l'expérience future, qui est le reflet de votre vibration dans le moment présent. Oui, c'est vraiment aussi simple que ça. Et vous êtes vraiment si puissant. Commencez à le posséder et vous verrez tous les moments magiques que vous pouvez créer pour vous et pour les autres. Nous sommes le Conseil Arthurien et nous avons apprécié communiquer avec vous aujourd'hui. Nous vous remercions infiniment. Merci. 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 Merci.